Moi, je suis parti de Blanding ce matin. 1h15 de route pour Moab. Là, je suis à Moab. Bon, toujours du monde, hein. Moab, c'est touristique, hein. Donc, ce soir, j'ai booké un hôtel à Moab, là, quelque part par là. C'est pas donné. Y a pas difficile de trouver un hôtel à moins de 200$. Hein. Bon, mais enfin, il fait un temps super. Hier, j'ai pas raidé. Il faisait mauvais. Il faisait et de la pluie, du vent. Enfin, bon, pas un temps idéal pour faire de la moto. Donc, relax quoi. Là aujourd'hui, je vais sur le parc national des Arches et Canyonland. Donc c'est pas loin. Hein. Ça fera une belle balade là pour aujourd'hui. Il fait vraiment un temps super. Il y avait un peu de vent ce matin et puis là, il fait super chaud. Quoi. Donc bon. Ça va être une belle journée. Ça c'est l'entrée du parc pour les Arches là. Et j'avais pas fait gaffe, mais il faut réserver. Il faut avoir une réservation entre 7 et 4. Donc j'en ai pas. Donc voilà, bon, c'est gagné. Mais peut-être cet après-midi, en fin d'après-midi, là, où il faut pas de réservation, il y aura moins de monde parce que là, il y a encore une demi-heure de queue. Là. Donc bon, on va aller voir Canyonland, on va voir s'il faut une réservation ou pas. En tout cas, la route est magnifique. Hein. Ça vaut vraiment le déplacement. Ça vaut les 2000 bornes pour venir de Houston. Ça a toujours été Utah quand même un super endroit pour faire de la moto. Hein. Faut pas tomber dans le trou. Hein. Ah, ça vaut Moki Dogway. Bon, les switchbacks ils sont chauds, hein. Ils sont chauds. Ouf. C'est un peu sportif. Hein. J'espère que j'aurai pas à le remonter quand même. Parce qu'à mon avis, ça doit être plus dur à la montée. Les switchbacks, il y en a quelques-uns qui sont mauvais. Donc, ça doit pas être terrible. Déjà que la descente, c'était moyen. Enfin bon, paysage super.
matin, le chemin est tough. Hein. Ah, il fait travailler. Hein. Enfin bon, le paysage, exceptionnel. Mais bon, ça vaut un BDR. Hein. Putain. Il y a pas mal de caillasses. Hein. Ah, faut être sur la bécane. Hein. Bon, putain, il reste encore quoi? Putain, 1h30. Ouf. Bon, allez, tranquillou. Hein.